Voilà ce qu'il y avait dedans, dans le filtre. Vous voyez ? J'en ai sorti comme ça que j'ai cassé à la massette. Hein. Voilà, voilà comment il était son filtre. C'était. Vous pouvez pas les sortir, je trouve. Ça a été sorti avec 40 litres d'acide chlorhydrique pour diluer le caillou. Voilà, voilà ce qu'il y avait, des cailloux. C'était le filtre, c'était un caillou. Voilà, voilà ce qu'il y avait encore dans le filtre. C'était. Il y a eu du gros que la fois que je passe à la massette. Comment ça n'arrivait pas le sortir. Et tout ça, ça a été sorti, mais avec. Combien d'acide vous avez mis? 45 litres. 45 litres d'acide pour diluer le caillou. Le filtre, c'était. C'était un caillou qu'il y avait dedans. Ah ouais. Un caillou. Et c'est monsieur le client, 84 ans, il a tout sorti. Hein. Il a mis du temps, hein. 3 jours, 4 jours. Hein. Il dormait tout à côté du filtre. Hein. Voilà le filtre à sable. Maintenant, le caillou a été sorti. Il n'y a plus rien. C'était là-dedans, c'était un caillou. Ah ouais, ouais. Mais j'en ai. C'est le monsieur, le client, qui l'a lui-même sorti pour sauver son filtre. Eh bien, regardez un peu le travail qu'il a fait. C'est parfait. Et tu diras pour 84 ans quand même, hein, c'est pas moi. Hein. 84 ans, il a le monsieur. Hein, ouais, 84. Le client, 84 ans. Hein. Ah, voilà. Il faut rien. Là, on a déjà mis 3 sacs. 3 sacs de gravier. 3 sacs de gravier comme ça. On va mettre encore un autre. Voilà, on a mis le gravier au fond. Maintenant, eh bien, on va mettre le sable. Il est fait, le sable. Hein. C'est beau ça, hein. Alors, dans quelques années, ça sera un caillou. Et monsieur. C'est pas de malheur. Hein. Allez, on va y aller. Voilà, il est posé. Maintenant, on va mettre le couvercle. Oui, on va mettre la rondelle. Là, on va mettre les rondelles et boulons et on va serrer bien comme il faut en tournant. Inutile de serrer comme des bœufs, c'est agité, sera fait par jointerie qu'il y a dedans. J'ai embauché un ouvrier. Il y a un ouvrier qui m'a donné un coup de main dedans. Bien vissé. Pour pas de l'air. Maintenant, lavage. Alors, on va mettre la vanne multibois en position lavage. Parce qu'il faut laver le sable. Ah oui. Skimmer. On va ouvrir le skimmer. Ça, c'est le deuxième skimmer. Ça, c'est bonde de fond. Prise de balai, bande de fond. On va fermer la bande de fond. Elle dit qu'il y a ouvert ce fou. Oui. On met. Voilà, c'est aspiré. Alors, on ouvre la l'air. On met l'air du filtre. On a mis la vanne sur la vanne qui est en train de laver le filtre. Voilà. Par le témoin du filtre, maintenant on voit que le sable est lavé. On va arrêter la pompe, on va mettre la vanne sur position rinçage, rinçage, position rinçage, voilà, on redémarre la filtration, vous voyez que le témoin du filtre
l'eau entend encore ça. Là. Maintenant, elle est propre. On arrête la filtration. Et on met la vanne multivoie sur filtration. Et on redémarre la piscine. Toujours, ne jamais oublier, ne jamais toucher la vanne multivoie sans avoir arrêté le moteur. C'est important. On va dire que le sable neuf, l'existence du sable, du propre. Alors, comme vous l'entendez, ou vous le voyez, le débit qu'il y a maintenant, alors qu'il n'y avait pratiquement aucune pression au buse, il n'y avait rien parce que c'était, le site, c'était un caillou. Et comme c'était caillou, ça passait pas. Vous avez vu, là, il ne sentait pas, mais ça pousse. Il y a une là, une là. Voilà. Ça pousse. C'est reparti avec un sable neuf.